فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous continuons dans notre série. Nous sommes toujours en train de parler des maladies du cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche à peu près tout le monde, et touche tout le monde, même les plus vertueux. Il s'agit de la colère. On va parler un petit peu des raisons de la colère, de ses méfaits, ainsi que des remèdes qui peuvent la calmer ou qui peuvent limiter ses dégâts. Bien entendu, la colère, on peut la définir comme un sentiment ou une réaction que peut trouver quelqu'un ou manifester un être humain, y compris les plus vertueux. Et elle fait en effet, elle fait partie de la nature humaine. Toutefois, il existe des colères qui sont acceptables, des colères qui sont tout à fait normal et légitime et accepté par la religion, comme il existe des colères morbides qui sont refusées par la religion et combattues par la religion parce qu'elles peuvent conduire à des interdits ou à des conséquences qui peuvent être néfastes aussi bien pour la personne que pour la communauté musulmane et les êtres humains d'une manière générale. Allah Azza wa Jal a doté l'être humain de l'instinct de colère, comme il l'a doté de l'instinct du plaisir. C'est parce que cette colère est nécessaire pour la survie de l'être humain. C'est par la colère que l'être humain arrive à se défendre. Cette colère-là, c'est une cascade de réactions physiques qui vont être opérées dans le corps, à savoir la sécrétion de l'adrénaline, la sécrétion de la noradrénaline, l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation de la fréquence cardiaque, les muscles qui se préparent quelque part à réagir, et notamment les muscles des membres, les muscles de la main pour frapper, ou les muscles des jambes pour courir, pour fuir. Donc c'est pour engendrer quelque part une réaction défensive ou une réaction offensive. En tout cas, c'est une réaction qui est tout à fait naturelle, et le corps humain est préparé pour la déclencher. Il y a des situations où l'absence de colère dénote un manque de foi. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils ne manifestent pas de colère dans certaines situations, c'est qu'ils n'ont pas de foi. Donc l'absence de colère dans certaines situations dénote le manque de foi, le manque de courage ou le manque d'honorabilité. Il s'agit par exemple de celui qui ne manifeste aucune colère lorsque son honneur est touché ou lorsque l'honneur de sa famille est touché, son épouse, de ses filles, de ses enfants, de sa mère, de sa sœur, de ses parents. Donc on touche, on entache, on salit l'honneur de sa famille et il ne bouge pas. Pour lui, c'est tout à fait naturel. Quelqu'un qui ne manifeste aucune colère lorsqu'il voit une injustice, qu'il soit touché par une injustice ou lorsqu'il voit une tierce personne touchée par une injustice quelconque. Quelqu'un qui ne manifeste pas de colère lorsqu'il voit que sa religion est combattue de tous les côtés. Quelqu'un qui ne manifeste pas de colère lorsqu'on dérobe ses biens matériels, lorsqu'on dérobe sa terre, lorsqu'on essaye de coloniser sa terre ou son pays auquel il appartient. Donc bien entendu, quelqu'un qui ne manifeste pas de colère dans ce genre de situation, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi, ou qui n'a pas d'honorabilité, ou qui n'a aucun courage. Et c'est dans ce sens que l'imam Shafi'i rahimahullah dit « Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar » Celui qu'on provoque pour se mettre en colère,
d'une manière légitime, celui qu'on provoque pour se mettre en colère et qui ne manifeste pas de colère, c'est un âne. Parce qu'il y a bien entendu que l'âne qui subit les frappes de son propriétaire, les supplices de son propriétaire, sans pour autant bouger. Allah Azza wa Jal a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Muhammadun Rasulullah wa alladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u baynahum » Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui, donc en référence aux compagnons, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Allah Azza wa Jal s'adresse aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. Ô prophète, lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude avec eux. Et bien entendu, la rudesse ou la dureté sont des manifestations de la colère. C'est tout à fait naturel. Mais ceci dit, il faut savoir que lorsque Allah Azza wa Jal parle de cette manière, il parle de certaines personnes, de certains mécréants qui ont attaqué les musulmans, qui les ont attaqués dans leur religion, qui les ont expulsés de leur demeure, qui ont montré une animosité, une vraie hostilité contre les musulmans. Et c'est pour cela que ce genre de verset, il ne faut pas le prendre indépendamment d'autres versets qui les nuancent. En la matière, on trouve ce verset de Surat al-Mumtahana dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuhsinu ilayhim inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit ici, Dieu ne vous interdit pas d'être équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, ça veut dire que là, il n'y a pas lieu d'avoir de colère, il n'y a pas lieu d'avoir de rudesse. La bienfaisance ne veut en aucun cas dire la rudesse ou bien la colère ou bien manifester de l'animosité envers ces personnes-là. Et ce verset donc établit le cadre de l'animosité légale envers les mécréants. Et hormis ce cadre, qui est bien précis dans ce verset-là, la bienfaisance reste la règle générale à respecter dans le lien avec eux. Quant à l'équité, elle doit être de mise, qu'on subisse de l'hostilité ou pas. Le musulman reste équitable, quelle que soit la réaction de celui qu'il a en face, qu'il soit bon ou pas. Et ceci, on le voit tout de suite dans le verset qui fait suite au premier. Allah vous défend seulement de prendre pour allié. Il n'a pas dit d'être équitable ou d'être bienfaisant. Allah vous défend seulement de prendre pour allié ceux qui vous ont combattu pour la religion, chasser de vos demeures et en aider à votre expulsion. Donc là, Allah Azza wa Jal ne vous demande pas d'être leurs alliés, mais il ne dit pas pour autant qu'il ne faut pas être équitable avec eux. Non, l'équité, c'est un principe fondamental chez les musulmans, quelle que soit la réaction qu'il y suit de celui qu'il a en face. Il y a à l'opposé, donc là on parle de certaines personnes qui ne manifestent aucune colère face à des situations qui normalement nécessitent et méritent la manifestation d'une colère. Même s'il n'y a pas une réaction après la colère, au moins un sentiment de colère intérieure, même si on ne le traduit pas avec des gestes. Il y a à l'opposé des personnes qui ont une prédisposition instinctive et éducationnelle à se mettre rapidement en colère. Et là, ce sont les deux extrêmes dans lesquels, bien entendu, on ne doit pas tomber. Donc ce sont des gens qui se mettent rapidement pour un oui ou un non en colère. Et dans certaines cultures ou certains pays ou certaines régions de certains pays, être colérique est considéré comme une vertu à maintenir et à défendre. Et c'est ainsi que certaines personnes justifient leur caractère colérique, le défendent et s'en prévalent avec fierté. Tu dis attention, moi je suis Kada, je suis de telle origine, je suis de tel pays, et je ne peux pas accepter ça. Et il se met en colère tout en vantant justement cette maladie, alors qu'il n'a pas c'est-à-dire il n'a pas de quoi être fier. Il s'agit de personnes qui perdent tout contrôle sur elles-mêmes. La colère voile leur raison et provoque une métamorphose dans leur apparence. Le visage devient crispé s'il ne l'est pas d'origine. Donc en général, des personnes comme ça, ils ont le visage crispé dès le départ.
Alors, mais lorsqu'ils se mettent, lorsqu'ils sont provoqués, même petite provocation, donc le visage devient crispé, la peau rougit, les veines se gonflent, leur membre devient incontrôlable. C'est alors que la parole obscène se libère, les insultes, la grossièreté et l'insolence prennent le dessus sur la tendresse et la douceur. Alors, que disent les textes sur la colère? Ou que disent les sages aussi sur la colère? Al-Bukhari rapporte sur Abu Hurayra radiallahu anhu qu'un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, oriente-moi vers une bonne œuvre et allège. » Ça veut dire, ne me dis pas trop d'œuvres. Cite-moi seulement une œuvre vers laquelle je dois m'orienter. Oriente-moi vers une bonne œuvre et allège. C'est-à-dire, ne me dis pas trop. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, « Ne te mets pas en colère. » Après, il lui dit une autre œuvre. Il lui a dit, « Ne te mets pas en colère. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété exactement le même conseil. « Ne te mets pas en colère. » Et pour la même question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à d'autres personnes avec d'autres réponses. Et les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant la personne, il voit directement d'où vient le mal chez elle, il voit quelles sont ses faiblesses, quels sont ses points de faiblesse, et là il la conseille par rapport à la personnalité qu'elle a. Donc dans le cas de cette personne-là qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la colère qui était la source de son mauvais comportement. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu m'a dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui est censé me protéger de la colère de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère et tu ne tomberas pas dans la colère de Dieu. Dieu ne se mettra pas en colère contre toi. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Tabarani et Ibn Abd al-Barr avec une chaîne de transmission bonne. Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait l'habitude pendant ses prêches de dire Aflaha minkum man hufidha min at-tama'i wal-hawa wal-ghadab. Aflaha minkum man hufidha min at-tama'i wal-hawa wal-ghadab. A réussi parmi vous celui qui a été protégé de trois choses, de la cupidité, et on en a parlé, de la passion, et on en a parlé du hawa, et de la colère. Si le musulman est protégé de ces trois fléaux, de ces trois maladies, donc là, il sera parmi les gagnants parce que ces maladies-là représentent la source de tous les problèmes et la source de tout égarement. Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, qui est le petit-fils de Ali, radiyallahu anhu, a dit « Al-ghadabu miftahu kulli shar » La colère, c'est la clé de tous les maux. La colère, c'est la clé de tous les maux. Et on verra pourquoi. Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu, a écrit une fois une lettre à un de ses gouverneurs pour le conseiller en lui disant « Ne punis jamais quelqu'un lorsque tu es en colère. » Et regardez déjà la sagesse de ce calife. « Ne punis jamais quelqu'un lorsque tu es en colère. En cas de besoin, emprisonne-le. Et quand ta colère se calmera, sors-le et punis-le à la hauteur de sa faute. Et ne dépasse jamais 15 coups de fouet. » Donc ne juge jamais quelqu'un, ne le punis pas tant que tu es en colère. Et ce qui est vrai pour la punition, le jugement ou le serment qu'on peut faire contre quelqu'un, est vrai dans n'importe quelle situation. Même les savants qui veulent répondre à une question, donc il ne faut jamais qu'ils répondent à une question alors qu'ils sont sous le coup de la colère parce qu'ils risquent de mal répondre ou qu'ils aient une réaction un peu vive et la réponse ne sera pas correcte. Lorsqu'on se met en colère, la raison perd tout contrôle sur la personne qui devient de ce fait-là une proie facile entre les mains de Shaitan. Mujahid rahimahullah a dit, Iblis dit, les enfants d'Adam ne peuvent pas me dominer dans trois situations. Ma a'jazani banu adama falan yu'jizuni fi thalath. Donc, même s'ils font n'importe quel effort, il y a trois situations où ils ne peuvent pas me dominer. Ma a'jazani banu adama falan yu'jizuni fi thalath. La première situation, si l'un d'eux tombe ivre, c'est-à-dire il consomme des stupéfiants, mais il consomme de l'alcool, donc il perd sa raison. Donc forcément, lorsqu'il perd la raison, c'est elle qui contrôle
c'est le chef d'orchestre de l'être humain, lorsqu'il est perdu, c'est bien entendu Shaitan qui prend le devant et qui prend la maîtrise de la personne. Si l'un d'eux tombe ivre, on le prend par le nez et on le guide où l'on veut. Et il nous accomplit ce que nous voulons. إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته. الخزامة c'est l'anneau qu'on met dans le nez d'une vache ou d'un taureau pour le contrôler. C'est ça le خزامة. Donc on le prend du nez. فقدناه حيث شئنا. On le conduit là où on veut. وعمل لنا ما أحببنا. Et il fera ce que nous lui demandons. Deuxième chose, lorsqu'il se met en colère, il parle de ce qu'il ne sait pas. Ça veut dire quelque de ce qu'il ne sait pas. إذا غضب قال بما لا يعلم. Ça veut dire que le savoir qu'il a, la connaissance qu'il a, ne le contrôle plus. Il dit ce qu'il ne sait pas. Toute la sagesse qu'il a apprise, toutes les exhortations qu'il a entendues, n'ont aucun contrôle sur lui-même. Dès qu'il est en colère, toute la sagesse là qu'il y a dans son cerveau ne sert absolument à rien. Donc lorsqu'il se met en colère, il parle de ce qu'il ne sait pas et fait ce qu'il finit par regretter. Et il fait ce qu'il finit par regretter peu de temps après. Lorsqu'il devient, la troisième situation, c'est lorsqu'il devient avare, on a parlé de l'avarice, lorsqu'il devient avare devant ce qu'il possède, on lui fait espérer ce qu'il ne pourra jamais détenir. On lui fait espérer ce qu'il ne pourra jamais détenir, ça veut dire qu'il courra, qu'il continuera avec sa cupidité de courir derrière des rêves qu'il n'atteindra jamais, et dans ce cas, il sera l'esclave de sa cupidité. Et ça, on en a parlé la dernière fois. En conseillant un homme, un sage lui dit: méfie-toi de la colère, car elle te conduit à l'humiliation dans la présentation des excuses. Méfie-toi de la colère, parce qu'elle va forcément un jour ou l'autre te conduire à te présenter devant la personne à qui tu as fait contre qui tu as fait du mal pour lui présenter des excuses. Et on sait très bien que présenter des excuses devant quelqu'un à qui on a fait du mal, c'est toujours humiliant. Et c'est pour cela d'ailleurs, même si on reconnaît nos erreurs devant certaines personnes, on se refuse d'aller lui présenter les excuses et de les reconnaître en face de lui. On les reconnaît avec nous-mêmes, mais on trouve une difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on se dit: je vais affronter de l'humiliation. Et c'est pour ça qu'il lui a dit: donc méfie-toi de la colère, parce qu'elle te conduira un jour ou l'autre à l'humiliation dans la présentation des excuses. Et un homme conseilla son fils en lui disant: ô fiston, la raison ne se maintient pas avec la colère. La raison ne se maintient pas avec la colère, de même qu'une âme ne survit pas au feu du four. Les moins colériques sont les plus raisonnés. Si c'est pour l'ici-bas, ça veut dire si cette raison est utilisée pour l'ici-bas, ceci s'appelle ruse et stratagème. Et si c'est pour l'au-delà, ceci s'appelle magnanimité et savoir. Vous savez très bien que parfois, par exemple, les hommes politiques ou les femmes politiques, lorsqu'on les provoque, ils manifestent de la sagesse. Ça, c'est de la retenue. Mais de la retenue pour l'ici-bas, pour des choses de l'ici-bas, pour ne pas montrer un mauvais côté d'eux-mêmes. Et donc là, il a dit: si c'est pour l'ici-bas, ça s'appelle la ruse et le stratagème. Mais si c'est pour l'au-delà, si la personne se retient parce qu'elle ne veut pas salir son image devant Dieu ou devant les musulmans pour gagner des hasanats, elle ne veut pas être la proie de Shaitan, donc là, ça s'appelle la magnanimité et le savoir. Mais si on le fait pour comme stratégie ou... Donc là, ça s'appelle la ruse et le stratagème. Alors, quelles sont les conséquences de la colère non maîtrisée? Là, on parle bien entendu de la colère morbide, et non pas de la colère agréée. Si la volonté est le désir d'un bien accompagné de raison, si la volonté, c'est quoi la volonté? Si on veut définir ce qu'est la volonté, c'est le désir d'un bien accompagné de la raison. Je veux arriver, c'est ça la volonté, je veux ça, je veux arriver à ça, à ce but-là, en utilisant ma raison. C'est ça la volonté. La volonté est le désir d'un bien accompagné de raison. La colère est un désir déraisonné de ce qu'on croit être un bien. La colère, c'est un désir déraisonné de ce qu'on croit être un bien.
Ça veut dire, je me mets en colère contre quelqu'un et je pense que l'agresser, c'est ça le bien. Mais là, c'est une volonté déraisonnée. D'accord ? Devant ce que je crois être un bien, alors que ça ne peut pas forcément être un bien, le fait de se venger sur le coude contre une personne, ou de crier dessus, ou l'insulter, non, c'est pas maîtrisé. Alors que la volonté, c'est quelque chose, c'est arriver à un but avec, en utilisant la raison. Sans le coup de la colère, la personne, sous le coup de la colère, la personne peut causer des dégâts irrécupérables. Des familles ont été déchirées sous le coup de colère d'un membre qui a été aveuglé par une colère passagère. Des maris ont divorcé leurs épouses, ou bien des épouses qui ont demandé le divorce sous le coup d'une colère, d'une malcompréhension, d'une maladresse de la part de son partenaire, des colères entre les frères et sœurs, les frères entre eux, les sœurs entre elles, les enfants envers leurs parents. Donc parfois il suffit de peu de temps sous le coup d'une colère pour déchirer toute une famille. Et nous entendons parler des familles qui sont déchirées à cause de la réaction d'une personne. Et parfois on ne veut plus pardonner parce que Shaitan rentre justement dans l'affaire. Et même si on reconnaît ses défauts, on n'arrive pas à aller demander des excuses. Et c'est comme ça que la famille se déchire. Des crimes ont été commis, et c'est le cas de la majorité des crimes, ont été commis sous le coup d'une colère passagère. Il m'a mis en colère, voilà, je ne maîtrise plus, je prends un pistolet, une arme, et je viens et je tue la personne. Et deux minutes après, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de grave. Et là, c'est tout un avenir qui a été jeté dans la poubelle en un seul instant sous le coup d'une colère. Parce qu'on n'a pas pu se retenir un quart d'heure et réfléchir aux conséquences de l'acte qu'on veut accomplir. Et parfois pour des choses qui sont pas, qui ne méritent pas justement une vengeance, qui ne méritent pas de tuer, qui ne méritent pas de blesser ou autre. Des guerres ont été déclenchées à cause de la colère de certains hommes de pouvoir qui ont mené tout un peuple qui vivait dans une guerre alors qu'il vivait en pleine sécurité et en pleine quiétude. Des religions ont été salies par le comportement colérique de certaines personnes précipitées qui croyaient faire du bien en répondant à la provocation par des hostilités irraisonnées. Des relations fraternelles ont été écorchées à jamais à cause d'une réaction colérique non justifiée suite à un malentendu ou une erreur qui aurait pu être pardonnée. Et c'est pour toutes ces raisons-là que la sagesse consiste à maîtriser la colère et à contrôler ses conséquences lorsqu'elle s'impose. À supposer que la colère s'impose, dans ce cas, il faut contrôler ses conséquences. Ali radiallahu anhu dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour une affaire du bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour une affaire du bas monde. Lorsqu'il parle du bas monde, même pour lui-même, quelqu'un qui l'a insulté, quelqu'un qui l'a fait, il ne se mettait jamais en colère contre une affaire liée au bas monde ou à sa propre personne. Et si pour la justice, il se mettait en colère, personne ne pouvait le reconnaître. Donc lorsqu'il s'agit d'une affaire qui touche la justice, ça veut dire une injustice, lorsqu'il s'agit d'une injustice générale, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère, on ne le reconnaissait pas tellement il était en colère. Donc il dit personne ne pouvait le reconnaître jusqu'à ce qu'il rétablisse la justice. Et on l'a vu même pour des choses religieuses, lorsque trois personnes ont commencé à dire « moi je ne me marierai jamais avec les femmes » en croyant que c'est la manière par laquelle ils se rapprocheraient de Dieu. « Je ne me marierai jamais », l'autre il a dit « moi je jeûnerai toute l'année », l'autre a dit « je passerai toute la nuit à prier ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit « pourquoi certaines personnes disent ceci, disent cela, moi je me marie, moi je vais une partie de la nuit, je dors une partie de la nuit, je mange certains jours, je jeûne d'autres. Et celui qui veut une autre tradition que la mienne ne fait pas partie de ma communauté. » Donc là, c'est une colère justifiée contre des personnes qui risquent d'entacher l'islam ou de dévier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Daoud et Ahmed rahimahumallah rapportent que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit: j'écrivais tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le mémoriser. Donc à chaque fois que j'entendais une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'écrivais pour bien la mémoriser. Et c'est alors que
Quraysh, donc certaines personnes de Quraysh, me dire « Tu écris tout ce que tu entends alors que le messager de Dieu est un homme qui parle dans la colère et dans la satisfaction. » C'est-à-dire, c'est absurde d'écrire tout ce que le prophète dit. Alors, peut-être que c'est des gens qui étaient nouvellement musulmans, ou des personnes qui étaient nouvellement musulmanes. Donc pourquoi tu écris tout alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui peut être en colère, qui peut être insatisfait. Donc parfois il peut ne pas contrôler ce qu'il a dit. Alors il a dit, j'ai alors arrêté d'écrire. Et lorsque j'ai mis au courant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui est arrivé, de ce qu'on m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné sa bouche de son doigt. Donc il a désigné par son doigt sa bouche, il a désigné sa bouche avec son doigt et me dit, écris par celui qui détient mon âme, il n'y a que la vérité qui sort d'elle. Il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche. Je sais ce que je dis, je contrôle ce que je dis, que je sois en colère ou dans la satisfaction, ma bouche ne dit que ce qui est vrai. Donc là, c'est ce qui vous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même lorsque dans des situations, il se mettait en colère d'une manière légitime, là, il contrôlait ce qu'il disait. Uktub, فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه أي من فاه ما يخرج من فيه ما يخرج منه إلا الحق. Quelles sont les causes de la colère? Plusieurs causes peuvent déclencher la colère, parmi lesquelles la plaisanterie, la moquerie, la polémique, la cupidité, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, et on a passé en revue tous ces comportements. Pourquoi? Parce que l'exemple de la plaisanterie, on plaisante avec quelqu'un, cette personne-là n'accepte pas la plaisanterie ou la moquerie, donc forcément elle réagit mal, donc elle nous provoque, elle réagit d'une manière démesurée peut-être, alors que nous, notre intention n'était pas de la mettre en difficulté, notre intention n'était pas de la rabaisser, c'est seulement pour rire, la personne réagit mal et donc on se met en colère. Donc il y a toujours un déclencheur. Il en est de même pour l'orgueil, quelqu'un qui est orgueilleux devant les autres, donc finit tôt ou tard par être détesté par les autres, et donc leur réaction va être vive contre lui, et il risque de se mettre en colère. Quelqu'un qui est jaloux, donc il se mettra en colère à chaque fois qu'il est en contact avec le jalousé, ou à chaque fois qu'il voit que ce dernier jouit d'un bienfait divin, donc il se met en colère. Et la colère, c'est-à-dire, reste continuellement dans son cœur et alimente ses faits et gestes. Tant que le musulman évite ses mauvais comportements et se soigne de ses différentes maladies du cœur, il évitera la colère morbide. Il faut limiter la plaisanterie, il faut limiter la moquerie pour éviter de provoquer autrui, déclenchant les ripostes qui mettent en colère. Il faut éviter l'orgueil, l'égoïsme et la fatuité qui risquent d'attiser l'animosité d'autrui. Et c'est un vrai jihad donc qu'il faut mener contre son propre ego. Ça c'est jihad. Jihad nafs, c'est un vrai jihad pour pouvoir se contrôler, pour pouvoir contrôler cet instinct qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous. Maintenant on va passer au remède contre cette maladie. Les remèdes contre la colère morbide consistent en une bithérapie constituée basée sur le remède du savoir et le remède des bonnes œuvres. Voilà la bithérapie. Il y a le savoir, certaines choses qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, qui relèvent du savoir, et certaines choses qu'il faut faire lorsqu'on est face à une situation qui suscite de la colère de notre part. Alors, en ce qui concerne le savoir, il consiste en cinq éléments, cinq choses à maîtriser, à connaître et à maîtriser. La première chose, c'est qu'il faut penser au mérite du contrôle de la colère, au mérite du pardon, au mérite de la magnanimité, de l'hilm, tel que l'islam les a valorisés. La connaissance des mérites de ces vertus permet d'éteindre le feu de la colère. Et lorsqu'on dit qu'il faut les connaître, il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance qui fait que la personne sait ou connaît des informations, elle les stocke dans son cerveau et après elle les ferme à clé. Et il y a le fait de connaître des informations, mais ils ne sont pas fermés à clé. C'est-à-dire, c'est toujours ouvert, la porte de là où on thésaurise, là où on protège ces informations, elle est toujours ouverte.
Ça veut dire que dès qu'on est dans une situation qui va susciter en nous de la colère, ces informations-là sortent tout de suite. Et c'est elles qui prennent le contrôle. On se rappelle de ces connaissances-là, elles viennent pour nous guider, pour nous protéger, pour nous dire « halte, attention, voilà ce que tu as su, ces informations-là, il faut les connaître ». Tout ce que nous faisons d'ailleurs dans ces cours-là, lorsqu'on dit « voilà ce qu'a dit le prophète, voilà ce qu'a dit… » Pourquoi on insiste lorsqu'on dit « que disent les textes, que disent les sages, que disent nos prédécesseurs ?» Ces textes-là, il faut les maîtriser, il faut les connaître, mais il faut savoir les utiliser au bon moment. Au bon moment. C'est pas à la fin, ensuite, réfléchir et dire « ah oui, j'aurais dû ». Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est passé par une femme qui était en train de pleurer devant une tombe. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu chez elle, lui a dit « Ya amat Allah, ittaqillaha wasbiri, crains Dieu et patiente ». Il lui a dit « tu ne peux jamais estimer le malheur dans lequel je suis et l'épreuve par laquelle je suis passé ». Elle n'avait pas reconnu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a terminé son chemin, les gens sont venus la voir, il a dit « mais t'as vu comment tu as parlé au prophète ?» Il a dit « mais c'est le prophète ?» Il a dit « ben, il ne savait pas ». Elle est venue le voir pour s'excuser quelque part, il lui a dit « je ne t'ai pas reconnu ». Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « innama sabru inda sadmatil oula ». La patience, c'est celle qu'on manifeste lors du premier choc. C'est ça le plus important. Et c'est là où le musulman diffère du non-musulman, c'est là où le musulman averti par la vraie connaissance diffère du musulman qui n'est pas averti par la connaissance. Voilà à quoi servent les textes, voilà à quoi sert le Coran, voilà à quoi servent les hadiths. Connaître ces textes-là, mais ne pas les utiliser au bon moment, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si c'est après recul, ben c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Allah Azza wa Jalla, citons quelques exemples. Allah Azza wa Jalla vante le mérite des bienfaiteurs et cite leurs vertus. Dans les versets qu'on a cités dans la prière de l'Isha, Allah Azza wa Jalla dit « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ » et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un jardin dans le paradis ou un paradis, et un jardin large comme les cieux et la terre préparés pour les pieux. Et ensuite, il va passer en revue les caractéristiques de ces pieux. La première, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Ensuite, il a dit « ceux qui dominent leur rage ». Ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, et ceux qui, et Dieu aime les bienfaisants. Regardez ce verset là, il parle de trois situations ou de trois étapes de grandes vertus. D'abord, retenir la colère. La deuxième, c'est pardonner. Et troisième, c'est être bienfaisant. Ce verset-là a interpellé je vais raconter une fois l'histoire d'une esclave à l'Ahnaf ibn Qais. Cette histoire, on l'a rapportée sur d'autres compagnons. L'Ahnaf ibn Qais, radiallahu anhu, avait invité des gens chez lui et il a demandé à son esclave de lui ramener un plat, de lui ramener un plat à manger. Et la dame, ou l'esclave, a trébuché et le plat est tombé sur certains de ses convives. Et là, l'Ahnaf ibn Qais s'est mis en colère. J'ai des invités, tu déverses le plat sur eux. Il s'est mis en colère, il faut faire attention. Donc là, il voulait la frapper, la punir. Et elle, tout de suite, il a dit c'est une femme, voilà la présence d'esprit. Les gens qui lisent le Coran, mais qui tirent les leçons et les moralités et qui les préparent, ils sont prêts à agir. Donc tout de suite, il a vu la réaction de son maître. Il lui a dit ceux qui retiennent leur colère. Et lui, il a retenu sa main. Et c'est ça aussi la qualité des compagnons et du bon musulman. Il s'arrêtait devant la parole de Dieu, la parole de son prophète. Il ne discutait pas. Il entend un verset, il entend un hadith, il s'arrête. Il y a des personnes, lorsque tu lui dis un verset, un hadith, il te dit « ah non, 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 ne me joue pas avec les versets ou la religion. » Comment là, je joue ? Ne me sors pas le texte là pour m'amadouer. Je dois rester en colère. Quelque part, la religion laisse là de côté. Mais attends, si je laisse la religion de côté, quand est-ce qu'on va parler de la religion ? On parle de la religion que lorsqu'on n'a pas de problème, on est en train de manger des pistaches et boire du thé, on parle de la religion. Et lorsqu'on est dans le feu d'action, dans les problèmes, dans les animosités, là, on devient des animaux. Si ce n'est pas assez en somme, ces moments-là que la religion doit agir, je ne vois pas quand est-ce qu'elle doit agir. Si ce n'est pas devant la tentation,
qu'il faut que la religion agisse, quand est-ce qu'il va agir? Après avoir commis le péché. C'est devant la tentation, devant le problème, devant la colère, devant les risques. Donc il a dit, donc lui il s'est retenu. Mais il a vu en lui qu'il avait encore une colère contre elle et qu'il avait une rancune contre elle. Il lui a dit, wal'afina aninnas. La deuxième partie du verset, wal'afina aninnas. Ceux qui pardonnent aux gens. Et il lui a dit, je t'ai pardonné. C'est-à-dire, j'ai plus de rancune dans mon cœur. Et il lui a dit, en souriant, wallahu yuhibbul muhsinin. Et Dieu aime les bienfaiteurs. Et l'ihsan, c'est quoi? C'est de faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Donc là, c'est un stade supérieur. Tu as retenu ta colère, tu m'as pardonné, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut me faire du bien alors que j'ai fait du mal. Il lui a dit, wallahu yuhibbul muhsinin. Il lui a dit, vas-y, tu es affranchi. Tu es affranchi. Ça, on ne peut pas faire mieux. Donc regardez la réaction de la dame qui a très bien compris ces trois stades à partir du Coran et la réaction de Sahabi qui s'arrêtait lorsqu'on lui faisait rappeler un texte. Et c'est comme ça que le musulman normalement doit réagir. Al-Bayhaqi rahimahullah, rapporte un hadith avec une chaîne de transmission bonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus fort d'entre vous, c'est celui qui domine sa colère. Le plus magnanime parmi vous, c'est celui qui pardonne malgré sa capacité de se venger. Donc le plus fort d'entre vous, c'est celui qui domine sa colère. Et le plus magnanime, c'est celui qui retient, ou bien qui pardonne, alors qu'il peut se venger. Il a la capacité, le pouvoir de se venger. Si tu n'as pas le pouvoir de te venger, et que tu dis, ben, je ne vais rien te faire parce que tu es faible. Là, on ne va pas parler de magnanimité. Là, c'est de l'incapacité, bien entendu. Abu Daoud et Ibn Hibban rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui domine sa rage, celui qui domine sa rage, alors qu'il est capable de la manifester, Allah azza wa jal remplit son cœur le jour de la résurrection de satisfaction. Allah azza wa jal remplit son cœur de satisfaction le jour de la résurrection. Celui qui domine donc sa rage alors qu'il est capable de la manifester. Et ça on en a besoin tous les jours. Chez nous, avec nos conjoints, lorsqu'on est dans une situation qui suscite de la colère. Donc il faut savoir se retenir avant de dire une parole qui blesse. Et après, la blessure va rester très très longtemps. Voilà, il suffit d'une seconde pour causer une blessure qui demande des mois, des semaines, voire des années pour qu'elle soit réparée, ou bien une blessure qui ne peut en aucun cas guérir. Omar radiallahu anhu dit: celui qui craint Dieu ne satisfait pas sa rage. Celui qui craint Dieu ne satisfait pas sa rage. Et celui qui craint Dieu ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, il se contrôle, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire ce que sa tête lui dit d'un seul coup, ce que le coup de colère lui dit. Et après, il a dit, et s'il n'y avait pas le jour de résurrection, c'est Omar qui parle, et s'il n'y avait pas le jour de résurrection, il y aurait autre chose que ce que vous voyez. Omar Mokhtab, on savait que c'était quelqu'un qui se mettait en colère. Mais il observait de la retenue, mais il se mettait en colère pour des choses qui ont un rapport avec la religion. À chaque fois, il disait au prophète, laisse-moi lui couper la tête. Lorsqu'il voyait une injustice de la part de quelqu'un, ce n'était pas pour lui qu'il se mettait en colère. Et la preuve, c'est que lorsqu'il est devenu calife, il a observé une retenue. Les gens avaient peur qu'il devienne calife. Comment on va réagir devant Omar avec la dureté qu'il a et tout? Et là, on a vu que c'est, en tant que gouverneur, en tant que calife, c'était une métamorphose complète. Un homme d'une douceur extraordinaire, où une femme l'a réprimandé dans le Jumu'ah. Et il lui a dit, la femme a raison et Omar a tort. Devant tout le monde. Imaginez un gouverneur comme ça, quelqu'un qui lui parle de cette manière-là et qui reconnaît. Ça, c'est pour vous montrer comment il se maintenait. Donc il leur a dit, s'il n'y avait pas le jour de résurrection, il y aurait autre chose que ce que vous voyez, c'est-à-dire chez moi. Je ne serais pas comme je suis. C'est la crainte de Dieu qui fait que je suis, que j'ai changé et que je me contrôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cinq choses font partie des traditions des prophètes. Cinq choses font partie des traditions des prophètes. La pudeur, donc là c'est une vertu de prophète. La pudeur, la magnanimité c'est de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. L'hilm, la magnanimité, la hijama, donc c'est ce qu'on, comment on appelle ça en français?
Hein? L'incisiothérapie. Voilà, maintenant c'est devenu à la mode. Les nageurs américains, maintenant, ils la font. Donc tout le monde est en train de la faire. Et c'est là où on dit, ah, mashallah, le prophète l'a fait. Il fallait attendre qu'un Américain le fasse pour dire le prophète le faisait. Donc l'hijama, ça c'est une tradition très ancienne. On sait qu'il est ancien en Chine et ainsi de suite. Et le prophète Hassan le confirme. Ça fait partie des cinq choses, des cinq traditions des prophètes. L'hijama, le siwak pour nettoyer les dents et le parfum. Le parfum n'est pas une manifestation d'orgueil, au contraire. Et le parfum, ça c'est parmi les traditions des prophètes. Et le hadith a été rapporté par Tirmidhi et Hakim. Donc ces textes-là, donc lorsqu'il a parlé de la pudeur, la magnanimité, le pardon, c'est-à-dire pardonner alors que quelqu'un nous a fait du mal, c'est le fait de contrôler sa colère. Ces textes, ces exemples de textes que j'ai cités doivent être connus, ou au moins les leçons qu'on tire et les moralités qu'on tire de ces textes-là, ils doivent être présents dans notre cerveau. Comme ça, dès qu'on est dans une situation difficile, il faut réagir tout de suite, faire réagir ces informations, ces moralités-là, et c'est elles qui prennent le dessus, et c'est elles qui freinent la rage qui peut être la nôtre face à des situations difficiles. Ça, c'est la première connaissance. La deuxième connaissance, c'est qu'il faut connaître des histoires d'hommes ou de femmes sages qui savaient maintenir leur rage et leur colère et observer de la retenue. Prenons quelques exemples, parce que ce sont des gens toujours qu'on continue de citer et sur lesquels on fait des éloges. Et si on fait des éloges, c'est qu'ils avaient quelque chose de caractéristique. Et à chaque fois, ces gens-là, lorsqu'on les prend comme des exemples, on essaie de leur ressembler au maximum. Et donc, ils doivent être présents, leur image doit être présente dans notre esprit. Ce fut le cas d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Al-Ashaj. Al-Ashaj. Donc ce dernier, une fois, il est venu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta, il fit accroupir sa chamelle, il l'attacha doucement, c'est quelqu'un qui va doucement, il l'attacha. Ensuite, il enleva les deux, il avait deux étoffes, deux habits, donc toujours le mezar et rida. Il a enlevé les deux habits, il a mis des habits propres, neufs, et tout ça devant le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que d'habitude, tu viens voir le prophète, tu es rapide, tu viens voir le prophète, c'est pas n'importe qui. Ouais, en douceur, il ferme. Voilà, il attache sa monture, il change ses vêtements, et après Hadi vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri devant lui, il lui a dit, « Ya Ashaj, oh Ashaj, tu as deux vertus aimées par Dieu et par son prophète. Tu as deux vertus qui sont aimées par Dieu et par son prophète. » Et donc l'homme lui a dit, « C'est quoi ces deux, lesquels au messager de Dieu ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit al-hilmu wal-anat, la magnanimité. Al-hilm, ça veut dire que tu pardonnes à quelqu'un qui te fait du mal, et l'anat, ça veut dire la retenue. Tu n'es pas précipité, tu es très lourd. Tu as de la magnanimité et la retenue. Et l'homme, pour lui, il ne voyait pas de mérite dans ce qu'il a, dans ces deux choses-là. Il lui a dit, ce sont deux vertus qui sont innées chez moi. Il dit, j'ai pas fait quelque chose pour les avoir. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. Il dit, je n'ai pas de mérite. Ce sont des choses qui sont innées chez moi. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est plutôt Allah azza wa jal qui les a rendues innées chez toi. Ça veut dire, ça c'est une récompense que Dieu t'a donnée. C'est que tu l'as mérité pour que Allah te les donne. Ce ne sont pas des choses qui viennent d'elles-mêmes. C'est Dieu qui les octroie à qui il veut. Et forcément, dans notre vie, on a dû rencontrer des personnes, et pas forcément des savants qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, on a des bons parleurs. Tu trouves des gens, un homme simple et tout, il a de la retenue, ou il est très sage, et il pardonne. Ou tu vois même c'est-à-dire, on réagit même pas avec hostilité contre lui, tellement il est pacifiste que personne n'ose lui faire du mal. Et ça, des gens comme ça, on les jalouse quelque part, dans le bon sens du terme, bien entendu. C'est un bien qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est plutôt Allah qui les a rendus innés chez toi. Et Ashaj, radiyallahu anhu, rétorqua, louange à Allah, regardez même la sagesse à la fin, louange à Allah qui a rendu innés chez moi deux vertus qui sont aimées par lui et par son prophète.
Vous voyez, c'est pas vanter et dire, ah ben, alhamdoulilah, je mérite, ou là, j'ai... Louange à Allah qui a rendu inné chez moi de comportements qui sont aimés par lui et par son prophète. Un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'est mis en colère contre quelqu'un et a ordonné qu'on le frappe. C'est alors que Malik ibn Aws, ibn Hadfan, radiallahu anhu, lui rappela le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Khudhi l'afwa wa amur bil urfi wa a'rid ani l'jahilin » Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Khudhi l'afwa, l'afwa c'est le pardon aussi, accepte le pardon. Donc ce sahabi, il a rappelé ce verset à Omar ibn Khattab alors qu'il est en position de colère, il voulait punir la personne. L'autre, il a lu le verset, c'est tout. Voilà, il était présent, il a vu la réaction de Omar, il a récité le verset devant Omar ibn Khattab. Omar s'est tout de suite abstenu. S'est tout de suite abstenu de punir l'homme et il commença à répéter le verset et à le méditer. Khudhi l'afwa wa amur. Et tout de suite, l'autre, il l'a récité, Omar il s'est bloqué, il a dit Khudhi l'afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'ani jahil. Khudhi l'afwa. Il a commencé à le méditer et à répéter le verset. Donc vous voyez comment les compagnons s'arrêtaient devant les versets. Et parfois c'est comme si ce verset-là on ne l'a jamais lu. C'est dans la réaction, dans la situation difficile, qu'on se rend compte de l'importance de certains versets qui passaient inaperçus lorsqu'on les récitait dans des situations normales. Troisième chose à connaître, il faut se dire qu'en réagissant avec colère devant une personne, celle-ci risque de nous détester plus, voire de nous haïr. Et cette personne-là risque de se venger contre nous. Cette personne-là risque de manifester plus d'hostilité et d'attaque contre nous. Il risque de nous calomnier encore plus, de se venger, de toucher notre honneur. Donc forcément, parce qu'on rentre dans une cascade, et Shaitan commence à nous faire tomber dans la surenchère. Et donc, parfois il faut se dire, si je réagis comme ça, de toute manière, je vais être une vraie... Maintenant, je suis déjà victime de cette personne, à supposer que c'est elle qui m'a fait du mal, mais en réagissant mal, je risque de devenir encore victime de plusieurs autres injustices de sa part. Donc parfois, il vaut mieux se taire pour bloquer l'escalade des attaques et l'escalade de l'hostilité de certaines personnes. Donc là aussi, cette moralité, il faut l'avoir dans l'esprit. Un homme dit... J'ai insulté un tel parmi les gens de Bassora. Allah Azza wa Jalla yafukka asrahum. J'ai insulté un tel parmi les gens de Bassora. C'est alors qu'il a réagi avec magnanimité. Moi, je l'ai provoqué, mais lui, il a réagi avec magnanimité. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il m'a alors asservi par cette vertu très longtemps. Et parce qu'il a réagi comme ça, il m'a asservi. Je suis devenu comme son esclave. Il m'a alors asservi par cette vertu très longtemps. Shatamtu fulanan min ahli al-Basra fa halima fasta'badani biha zamana. Allah Azza wa Jalla dit repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Fais comme si c'était un ami intime. Et tu verras, repousse par le mal par le bien, et tu verras que cette personne-là, quelque part, tu vas l'éteindre, tu vas éteindre son animosité, et tu en sortiras gagnant. Alors que si tu attaques, si tu te venges, la personne va entrer dans une escalade dont tu seras victime. Et surtout, on sait très bien, une personne qui ne craint pas Dieu, si toi tu crains Dieu, tu as en face quelqu'un qui ne craint pas Dieu, toi-même, ton hostilité, tu sais très bien tes limites. Tu ne vas pas mentir sur elle, tu ne vas pas la calomnier, tu ne vas pas... Parce que tu dis, moi je crains Dieu, je ne peux pas faire ça. Mais lorsqu'il y a en face de toi une personne qui n'a pas de limite, donc là, toi a beaucoup de frappe. Donc minimise les dégâts autant que tu peux, surtout lorsqu'il s'agit seulement d'une injustice que tu as subie toi-même, pas d'une injustice communautaire ou qui touche la religion ou qui touche tous les musulmans. Muawiya, radiallahu anhu, a dit un jour à un homme qui s'appelait Arraba ibn Aws. Et lui, il était le chef d'une grande tribu, Arraba ibn Aws. Il lui a dit, comment es-tu devenu chef
de ton peuple, ya Araba. Comment tu es devenu chef de ton peuple, ya Araba? Il regardait ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, j'étais magnanime devant leurs ignorants. Voilà, je vois dans mon peuple, les ignorants, j'étais magnanime. Même s'ils me font du mal, me parole ma place et tout ça, je pardonnais. J'étais magnanime devant leurs ignorants. Je donnais de l'affection à celui qui me sollicitait, donc toujours souriant, toujours je lui donne de l'affection à celui qui me sollicitait, et je leur rendais service. Trois choses. Magnanime avec les ignorants, je donnais de l'affection, je montrais que j'étais proche d'eux, de l'amour, je leur montrais de l'amour, de la fraternité lorsqu'ils me sollicitent, et je leur rendais service. Et ensuite il a dit, celui qui fait comme moi et celui qui fait mieux que moi, ou celui qui me dépasse, c'est-à-dire mieux que moi, sera meilleur que moi, alors que celui qui sera au-dessus, je serai mieux que lui. Quatrième chose à connaître, c'est lorsqu'on subit une injustice de quelqu'un qui a déclenché une colère en nous, il faut se dire que Allah Azza wa Jalla est omniscient, il voit ce que la personne t'a fait, et Allah Azza wa Jalla se venge mieux que nous, Dieu se vengera mieux que nous. Donc la vengeance ne sert absolument à rien parfois. Laissons Dieu faire. Si la personne mérite vengeance, c'est Dieu qui le fera. Et comme ça, nous, on n'est pas responsable de ce qui lui arrivera. Et si cette personne-là, là, je sais qu'il a un bien en, qu'il y a un bien en elle, peut-être que Dieu la guidera et la personne reviendra nous demander des excuses. Et tant mieux, parce que nous, on ne cherche pas le mal pour les autres. La cinquième chose à connaître, c'est qu'il faut imaginer l'état physique et la métamorphose qui est la nôtre lorsqu'on se met en colère. Et bien entendu, c'est pas au moment que tu te mets en colère que tu vas prendre un miroir pour te voir, pour te regarder comment je suis. Donc essaye de voir les personnes qui se mettent en colère, comment elles sont. Et imagine-toi dans cette image-là, lorsque toi aussi tu te mets en colère. On sait très bien que lorsqu'on est en colère, on se métamorphose. Les yeux qui deviennent exorbités, la peau qui se rougit, les membres qui commencent à trembler, la parole qui est plus contrôlée. Et dis-toi, est-ce que c'est l'image que je veux dégager de moi? Est-ce que c'est l'image que je veux que les gens retiennent sur moi? Parce que des situations comme ça, lorsque tu es en colère, c'est l'image. Même si ça t'arrive une fois tous les tremblements de terre, les gens qui vont te voir, c'est ce qu'ils vont retenir de toi. En te regardant, même si une autre fois ils te voient avec sagesse et tout, ah, mais un jour, je l'ai vu dans une image, mais ce n'était pas possible. Et je n'arrive pas à oublier cette image-là. Donc, personne parmi nous n'aime que les gens retiennent de lui ce genre d'image. Et donc, il faut éviter de la manifester devant les gens. C'est pour cela, justement, qu'il faut se retenir. Maintenant, là, on a parlé des choses qu'il faut connaître, cinq choses qu'il faut connaître. Maintenant, les choses qu'il faut faire lorsqu'on est dans une situation qui nous pousse à la colère. La première chose, c'est de dire A'udhu billahi mina shaitani ar-rajim. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle se mettait en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la prenait par le nez. Et il lui disait Ya Uwaish, ça c'est un diminutif. Ya Aïcha, Ya Uwaish. Ya Uwaish, Quli Allahumma rabban nabiyyi Muhammadi, Ighfir li dhanbi, wa adhib ghayza qalbi, wa ajirni min mudillati al-fitan. Donc il a dit Ya Uwaish, O Uwaish, chaque fois que, lorsque tu te mets en colère, dis, ô Allah, Seigneur du prophète Mohammed, pardonne mon péché, efface la colère de mon cœur et protège-moi contre les épreuves qui égarent. Et le Bukhari muslim rapporte sur Sulayman ibn Sard, radiallahu anhu, qui dit, j'étais assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que deux personnes s'insultaient, pas loin de nous, deux personnes s'insultaient. Et l'une parmi elles, donc parmi ces deux hommes, avait le visage rouge et les veines jugulaires gonflées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une parole qui, s'il l'a dit, il n'aura pas ce qu'il a. Il n'aura pas ce qu'il a, il ne sera pas dans l'état où il est. S'il dit, a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, cet état-là disparaîtra de lui. Donc là, c'est le fait de dire, a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, ou faire un dua, Allahumma adhib ghayza قلبي ما اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de garder le silence. Donc on est en colère et il faut fermer avec un cadenas la bouche.
il faut garder le silence, se forcer de ne rien dire. Garder le silence. Ahmed rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un de vous se fâche, qu'il se taise. Si l'un de vous se fâche, qu'il se taise. Donc il y a de la colère à l'intérieur, il y a de la rage à l'intérieur, mais on la ferme. C'est ça le kadhim min al-ghayb. Le kidama en arabe, le kadhim min al-ghayb, le kidama, c'est le bouchon avec lequel on ferme une bouteille par exemple. Donc le kadhim min al-ghayb, voilà. Donc la bouche, c'est quelque part l'ouverture. C'est elle qui va exprimer, en plus des mains et tout, mais la bouche, la première, c'est elle qui va exprimer la rancœur et la rage qu'on a à l'intérieur. Donc il faut contrôler la bouche, c'est maintenir le silence. Troisième chose à faire, c'est changer de position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un de vous se met en colère et qu'il est debout, qu'il s'assoie donc. Et si la colère ne le quitte pas, qu'il s'allonge. Donc qu'il s'assoie, s'il est debout, qu'il s'assoie. Et s'il ne disparaît pas, qu'il s'allonge même par terre. S'allonge, ou bien il se prosterne. Quatrième chose à faire, c'est accomplir les ablutions. Si la colère est encore très forte, il faut accomplir les ablutions. Et Tirmidhi rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la colère est une braise qui s'allume dans le cœur. C'est une braise qui s'allume dans le cœur. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'un de vous se met en colère, qu'il accomplisse les ablutions, car la colère vient du feu. Et qui éteint le feu? C'est bien entendu l'eau. Donc les ablutions, c'est une des meilleures choses à faire pour éteindre cette braise-là qui est la colère. Et enfin, se prosterner. Voilà. Enfin, se prosterner, ça c'est la meilleure chose aussi, parce que lorsqu'on se prosterne, on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la colère est une braise, dans la suite du hadith que j'ai cité tout à l'heure, la colère est une braise dans le cœur du fils d'Adam. Ne voyez-vous pas la rougeur de ses yeux? Donc la rougeur là, c'est comme une braise. Ne voyez-vous pas la rougeur de ses yeux et le gonflement de ses jugulaires? Celui d'entre vous qui trouve en lui quelque chose de ceci, qu'il colle alors sa joue contre le sol. Qu'il colle sa joue contre le sol. Donc soit il s'allonge, soit il se prosterne. Innal ghadaba jamratun fi qalbi ibn Adam, ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdajih, faman wajada min dhalika falyulsiq khaddahu bil ard. Donc voici une série de remèdes, aussi bien des remèdes qui ont un rapport avec la connaissance, des choses à connaître, que des remèdes qui ont un rapport avec ce qu'il faut, des gestes immédiats qu'il faut faire sous le coup de la colère pour ne pas basculer vers une réaction dont on ne maîtrise pas les conséquences et qui peut avoir des conséquences très graves, aussi bien sur la personne que sur ceux qui sont en face. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.